Chaque début d'année commence souvent par un « C'est fini, j'arrête ». Et un régime drastique s'ensuit. C'est un nombre incalculable de kilos qui sont perdus dans les premiers mois de l'année. Mais où est-ce que la graisse s'en va? Faut bien qu'elle devienne quelque chose. Qu'est-ce que la graisse devient? Et vous, que pensez-vous que la graisse devient une fois qu'on l'a perdue? De l'énergie, de la chaleur, du muscle, de l'urine, des excréments? Du moment qu'elle ne revient pas. Si vous pensiez cela, vous n'êtes pas les seuls, puisqu'il y a une étude en décembre 2014 qui est sortie montrant que la majorité des médecins de famille et des diététiciens pensent la même chose. Et pourtant, la bonne réponse n'est pas dans cette liste. Alors, que devient la graisse? Reprenons. Pour expliquer ce que la graisse devient, il faut d'abord savoir ce qu'elle est. La graisse se forme quand on a ingéré plus de protéines ou de carbohydrates que ce dont nous avons besoin. Elle est alors stockée sous forme d'adipocytes et cela ressemble à ça. Il y a plusieurs types de graisse, mais la graisse lambda, si je puis dire, peut se résumer à une formule chimique telle que celle-ci. C55H104O6. Du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène. Et quand on arrive au graal d'éliminer certaines de ces gouttelettes d'eau, c'est qu'on a réussi à réaliser cette transformation chimique. De l'oxygène a été nécessaire pour casser les molécules de graisse, et ce que notre graisse devient, c'est du dioxyde de carbone et de l'eau. Si on imagine qu'on a 10 kg de graisse à perdre, combien faut-il alors d'oxygène et combien faut-il sécréter de dioxyde de carbone et d'eau pour évacuer ces 10 kg de graisse? Ce n'est pas un calcul qu'on peut nous-mêmes faire au coin du feu. Ce que l'on peut déterminer, c'est qu'en toute logique, le carbone de la graisse est évacué par le dioxyde de carbone et l'hydrogène dans l'eau. Il n'y a pas d'autre choix. Ce que l'on ne peut pas déterminer, c'est dans quelle molécule l'oxygène de la graisse se transforme, puisqu'on retrouve de l'oxygène à la fois dans l'eau et dans le dioxyde de carbone, et qu'il peut venir soit de la graisse, soit de l'oxygène inspiré. Nous, on ne peut pas le déterminer, mais des chercheurs se sont amusés à tracer le chemin de l'oxygène issu de la graisse pour savoir s'il partait dans le dioxyde de carbone ou dans l'eau. Résultat, ils ont obtenu que 84% de la graisse est transformée en dioxyde de carbone que l'on expire, quand 16% est transformée en eau qui part dans les urines, la transpiration, etc. Un autre chiffre impressionnant est de se rendre compte de la quantité d'oxygène qu'il est nécessaire de respirer pour arriver à casser ces molécules de graisse. 29 kg. Donc la quantité totale au début est de 39 kg pour produire 19,6 kg de dioxyde de carbone et 9,4 kg d'eau. Les organes qui évacuent donc le plus de graisse sont les poumons. Le CO2 est un gaz que l'on expire. Sachant que la respiration est quelque chose d'assez constant quand on est au repos, environ 12 respirations par minute, cela veut donc dire qu'il y a un maximum à la quantité de CO2 et donc de graisse que l'on peut expirer par jour. On expire 740 g de CO2, dont 200 g de carbone. Un chiffre qui pourrait paraître assez gros, mais qui est très très rapidement contrebalancé par le fait que l'on mange tous les jours. Non. Respirer rapidement n'accélérera pas la perte de poids. C'est un processus complètement artificiel qui crée de l'hyperventilation, mais qui n'a pas libéré le carbone de la graisse pour autant. Par contre, faire du sport augmente la fréquence de respiration naturellement, tout en réclamant de l'énergie pour casser ces molécules de graisse. Ça, c'est utile. Donc nous expirons notre graisse, qui est devenue en grande partie du CO2, et j'avais appris dans une vidéo de Veritasium que les arbres tiraient leur masse justement du CO2. Est-ce que ça veut dire que les arbres seraient constitués des restes de notre graisse? Demain, fait froid.